Bah le mouvement il est assez spontané, l'envie de protester contre une décision qui nous semble assez brutale et assez abusive de la part de la sous-préfecture, contre un bar qui a peut-être eu des choses à se reprocher dans le passé, mais qui a aujourd'hui déménagé spécialement pour gêner le moins possible les vrais furets, qui a réinvesti, qui s'est endetté. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on leur met sur le dos des choses qui ne les concernent pas et qu'on cherche un bouc émissaire. Donc c'est pour ça que nous, on a été à l'initiative, quand je dis nous, c'est vraiment un collectif de clients, d'amis, de Bressuret qui veulent défendre ce bar comme l'un des derniers lieux vivants la nuit à Bressuire, et qui est à notre avis très bien géré. Et c'est pour ça qu'on a lancé la pétition et qu'on a lancé ce rassemblement ce soir. Et on veut, au-delà de la protestation, on aimerait obtenir au moins un dialogue de la part de la sous-préfecture et dans l'idéal qu'elle revienne sur sa décision. Donc 500 signatures pour la pétition et ce rassemblement ce soir, ça fait chaud au cœur. Ah ben oui, on est ému. En fait, je ne pensais pas du tout qu'on aurait autant de signatures en peu de temps. Des tas de commentaires, des plus jeunes aux plus anciens qui nous soutiennent et qui soutiennent le BUC. On est plus qu'ému et on espère bien avoir gain de cause assez vite pour que Mathieu et Dex puissent continuer leur activité et puis que ça ne leur nuise pas, en fait, voilà.